Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Alan Wake, évidemment, épisode 13. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire 4K 60fps, il paraîtrait que j'ai oublié la carte, évidemment, ici même. Donc on va essayer de la trouver, effectivement vous avez raison, elle était à l'entrée. Incroyable, merci à vous. Direction mon mobilhome, c'est ça qui est incroyable parce que ben, tout le monde a souvenir que j'ai vécu ici et que ma fille est décédée ici. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer, sauf moi, je suis persuadé d'avoir une autre vie. Donc, est-ce que je suis dans mon entre-noir, dans l'entre-noir de Saga? Est-ce qu'on est dans l'entre-noir de Alan Wake? Est-ce qu'on est dans une réalité alternative? Je sais pas trop, pour être très honnête avec vous. Allez, on est parti, direction les mobilhomes. C'est donc à Suomi Hiking Trails, évidemment. Et maintenant que j'ai la carte, d'ailleurs, je peux la regarder sans aucun problème. Et les mobilhomes, ils sont où les mobilhomes? Oh, c'est gigantesque. Coffee World. L'atelier des chevaliers. Boutique, ok. Le lagoon. Ok. Espresso Express. Voilà Coffee World. Je dois traverser la rivière. Donc on doit traverser... rivière ? Oh waouh ! Ça sent pas bon, ça sent les problems. Oh, il y avait une carte aussi ici. Bon, de toute façon, j'aurais pu continuer tout droit. Hein. Waouh ! Ça sent les problèmes. Bon, installez-vous confortablement. J'avais trop hâte de continuer cette aventure en votre... C'était quoi? Votre présence? Ok. Le doute. Putain! Ma bite! Qu'est-ce que c'est? Bien trop rapide. Une hache. FBI, open the door! Wesh! Comment ça t'es rapide comme ça? Attends, il y a des Flash McQueen maintenant, les gars? Ça me fait flipper de ouf! C'est quoi ce délire? Mais les frères! C'est trop! Ok. J'ai pas été serein. Hein. Y'a plus rien. Oh les bâtards. Ok. C'était quoi? Il a dit quoi? Et genre personne n'entend mes coups de feu. Putain! À l'autre bout. FBI, oui, montrez-vous. Oui, c'est quoi ce délire, mon frère? Genre là, il est plus là. Yeah.
font flipper. D'autres gens se transforment en possédés. C'est la secte. L'histoire. Les deux. Ils font flipper de ouf. Je me reçois, j'en ai rien à foutre. Oh waouh. Attends, il y en avait trois, non? Pourquoi il n'y avait plus le mec en hauteur, là? Oh, c'est trop, hein. Par contre, j'ai trop bien maîtrisé, grâce à ça, les esquives. Droite ou gauche? Là, on a quelque chose. Une petite cabane. Une petite cabane. Et là-haut? Là-haut, il n'y a rien. Ça, c'est incroyable. On va aller là où il n'y a rien. Toujours aller là où il n'y a rien dans les jeux d'horreur. Parce que quand il n'y a rien, il y a quelque chose. Ok. Très bien, c'est pour faire le tour. Et là... c'est la hauteur. Une bière. Qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Je me suis chié dessus. Une autre comptine. La douce bête à la couronne de toute beauté court dans les bois avec un air inquiet, fuyant le chasseur sous les branches imposantes, coûte que coûte, tâchant de s'en sortir vivante. Une poupée de serre. Une poupée d'élan. C'est pour d'autres comptines, je suppose. Et numéro 1, c'est quoi ça? Cantine numéro 1. Attends, ça parlait de cerf en plus là, non? Cours dans les bois avec un air. La douce bête à la couronne de toute beauté, fuyant le chasseur sous les branches imposantes. Bah, une couronne, c'est un élan ou un cerf? Loup, héros, corbeau. Ah, mais il n'y a pas de chasseur, il n'y a pas de poupée de chasseur. Je crois que j'ai pas de quoi élucider cette comptine, me semble-t-il. Ok, je me mets à faire des rimes. Et ça, c'est incroyable. Ok, ok, ok. Alors, les amis, on va se poser. À droite, c'est un raccourci pour aller là où je peux suivre le chemin, donc on va suivre le chemin. Car je rappelle qu'il y a une différence entre suivre le chemin et arpenter le chemin. Non. Par contre, ça commence à être un peu obscur. Ce qu'il se passe ici. Chose là-haut, peut-être. Oui, sûrement. Oui, 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 messieurs. Ok. Une petite cache. Oh. Il y a les signes de la secte. Ça sent pas bon, ça. Et encore un des coffres de la secte. Ok. Du ketchup? Je sais pas, j'ai peur de pas... Diminutions? J'ai trouvé un autre cadavre de possédé près de la tour radio. On aurait dit qu'il avait été battu à mort. Il y avait une boîte repas et un truc en tricot bizarre près du corps. J'ai géré le cadavre, mais c'est le troisième ce mois-ci. Restez sur vos gardes, on doit trouver ce type et lui faire comprendre que la secte de l'arbre est déterminée. Il doit sûrement parler d'Alan Wake. Qu'est-ce que c'est que ça? Une page? Une page de manuscrit de Watery? Qu'est-ce qui avait maintenu Watery à flot toutes ces années? Un siècle, si ce n'est plus. Les habitants le savaient. Le courage. Ou dans la langue de leurs ancêtres finlandais, Sisu. Aujourd'hui, il fallait du Sisu plus que jamais. La ville se mourait.
Elle ne s'était jamais vraiment remise de la fermeture de la scierie. Le secteur de la pêche déclinait lui aussi. La plupart des gens étaient partis chercher du boulot ailleurs. Seuls les plus têtus restaient malgré tout. Ils s'accrochaient, comme des parasites sur un patient en fin de vie, Sissou. Certains tentaient de ressusciter la ville. Les frères Koskela faisaient aussi en sorte de repousser les ténèbres grâce à leurs activités. Coffee World ramenait des touristes, de l'argent et du boulot. Du divertissement pour tous, sur le thème du café. Le motoclub des chevaliers de Kalevala créait des chars de parade. Les motards réparaient des véhicules et faisaient du bénévolat. Mais ça ne suffirait pas. Watery avait besoin d'un miracle. Le bout de la route se rapprochait, et à vitesse grand V. Ok, encore une histoire à 3 francs. Sissou. Bon. Allez, on y va. Là, il y avait un raccourci hein, pour aller à cette maison. On avait pris. Abri de chasse. Let's go. On va allumer la lumière. Waouh, c'est de plus en plus dur, hein. Ok. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien quand tu me régales comme ça. J'aime. Okay. Une autre cache de la secte. Qu'est-ce qu'on a là? Si vous prenez l'arbalète, remettez-la dans la cache ensuite. PS, j'ai changé le code comme demandé. J'ai changé le code comme demandé. 2, 3, 5, 7, 1. 2, palettes. 3, le poster. 5, bois. 7, 3 flèches. Et 1. Là, ah, d'accord. Faut peut-être voir les flèches, non? Donc, c'est 2, 5, 7, en vrai, non? Masterclass ou pas? 2, 5, 7, 2. Pas de masterclass. Attends. Si vous retrouvez... Attendez, parce que ça parle d'arbalète. Si vous prenez l'arbalète, remettez-la dans la cache ensuite. J'ai trouvé. Ok, j'ai trouvé, les gars. Alors, 7, c'est 3. Donc, c'est le dernier numéro. 2, c'est 2. Donc, c'est 5 de 7. Allez, merci, au revoir. 5 de 7. 5. 2. Voilà. Donc là, on va avoir une arbalète. Oh. Si vous ne portez pas le masque... Ce n'est pas pour vous. Yamete. Osugoi. Ok. J'aime bien. Dans ces cas-là, attendez. Parce que tout change très rapidement, si je puis me permettre. Ça, raccourci. Et on va le mettre où? À côté du pompe, ça me paraît pas mal. C'est quoi? C'est une sorte de snipers? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits. C'est quoi ça? Oh putain, mais la fête foraine est vivante! Ok. Toujours la boîte à chaussures. Ah! Une page de manuscrit, super ça. Peut-être on va en apprendre sur Watery. Saga dans les bois de Watery. Oh là, on va apprendre peut-être ce qui s'est passé. Bougez pas, excusez-moi. Déjà, j'ai des choses à mettre dans le tableau. Ok, on va commencer par ça. Figurine de cerf. Je comprends pas parce que... Je suis à Watery. Ah,
J'ai tous les essayés. Ah, c'est ça. Ah, c'est considérer la figurine comme une poupée. Ok. D'accord. Très bien. Dossier suivant. Cache trouvé au stand. Donc, là, c'est à Watery. Deuxième cache trouvée. Pas de soucis. Zone de Brightfall, on a toujours rien trouvé, hein, ceci dit. Bougez pas. Je me suis encore foiré. Ensuite, dossier suivant. Pour plus tard. Comme c'est embêtant. Ok. Et en ce qui concerne les améliorations d'armes 12, pardon. C'est quoi ça? Ah ouais, je peux m'acheter qu'un truc. Augmente la taille du chargeur de 50%. Saga ne comptait plus le nombre de balles tirées, mais une chose était sûre. C'était bien plus que le contenu de son chargeur. Pourtant, elle n'était pas tombée à sec, comme si le chargeur s'était agrandi pour accueillir plus de balles. Elle tira encore. Ok, là c'est Alan Wake qui est en train de modifier l'histoire pour aller à mon avantage et pour justifier le fait que mon chargeur soit plus grand, mais c'est incroyable! C'est incroyable. Saga commençait à comprendre pourquoi Casey détestait autant les bois. Ils étaient oppressants ici. Trop d'endroits où se cacher. La musique joyeuse déformée provenant du parc d'attractions n'aidait pas non plus. Les Koskela l'avaient troublé au sujet de sa vie à Watery avec Logan. C'était une chose que l'histoire d'horreur l'implique. Mais qu'elle implique sa fille, ça allait trop loin. Quelque chose fila sur le chemin devant elle. Trop vite pour voir. Saga sortit son arme. Elle fouilla les bois du regard. Un bruit retentit. Saga se retourna. Un habitant, un homme, se trouvait au-dessus d'elle. Non, pas un homme. Un monstre avec une hachette dans chaque main. Il hurla dans sa direction. La chasse a été merdique! Ok, c'est les mecs qu'on a croisés juste avant. Waouh. Ok, on est parti pour la suite. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous avons trouvé une arbalète enfermée. Évidemment, regardez-moi ça. Munitions gratos. On va les prendre, ces carreaux. D'accord, on peut les récupérer. Donc, à mon avis, ça doit pas être une des armes les plus efficaces, je pense. Très bien. Ça doit vraiment pas être une des armes les plus efficaces. On va quand même jouer un peu avec. Et on va voir si j'ai tort ou pas. D'ailleurs, ça, on va recharger. Oh, quand même, 5... 6 balles de plus. Insane. Je pensais pas autant. C'est si long à recharger. Waouh! Par contre, si tu te foires pas. Ok. Les amis, on a un chemin à droite, à la tour radio. Attends, il m'a dit que je dois aller où, le frère? L'amalgame, lumière et ombre, le rupteur, il est où le rupteur? Grincement le veut pour imposer sa fin à lui, mais c'est hors de question. Ok. Where is the rupteur? C'est pas dans ce dossier. C'est là. Ok. Ouais. Je suis quasi sûr que le gérant du parc de Mobile Home de Watery, moi, peut vous aider. Notre résidente la plus drôle est de retour. Oh, ok. Ça m'en dit pas trop, malheureusement. Très bien. Pas de panique à bord, les amis. Le fun et la vitesse d'abord. Il y a de la lumière, ça c'est bon signe.
Ça, c'est très bon signe. Bulletin météo. Récupérer la clé du mobilhome à la boutique de souvenirs de Coffee World. Voilà. C'était donc là que je devais aller. Qu'est-ce que c'est ? Une cache ? Encore une comptine. Oh, waouh. Encore une de ces comptines. Ok. Trois petits cerfs partis se promener, trouvèrent un lieu où s'amuser. Un petit cerf jamais ne revint, les autres pleurèrent du soir au matin. J'ai toujours pas compris ce système de comptines. C'est infernal. Ok, on fait le tour au cas où. On sait jamais s'il y a un criminals. Bon, c'est bon. Allez, direction la tour radio et après on va aller à la boutique. De souvenirs de Watery. Ah, c'est fermé ? C'est fermé, bon. Là, il y a une comptine. Bon, bah écoutez, peut-être là, on va checker jusqu'au bout. Il y a quelque chose ici. Et encore une autre boîte repas. Une boîte de quasi. J'abaissais mon fusil. J'admirais le carnage depuis le toit de la voiture. Les zombies avaient failli gagner. Mais heureusement, j'étais là. Les héros sont parfois ceux auxquels on s'attend le moins. Ma ville était enfin sûre grâce à moi. Je posais mon arme sur mon épaule, espérant ne plus avoir à la brandir. Les habitants sortirent prudemment de leur cachette, observant le carnage avant de m'acclamer. Je les saluais et eus droit à de nouveaux applaudissements. Je pouvais enfin reprendre ma vie paisible et discrète, lire des livres, jardiner, faire du macramé et devenir la plus grande experte mondiale en mycologie. Soudain, une main me saisit le poignet. Je plongeai alors les yeux dans ceux de l'écrivain doux et sensible que je connaissais depuis l'enfance. Un sourire radieux se dessina sur son magnifique visage et, pour la première depuis l'apparition des zombies, je me sentis en paix. Tu as réussi, je n'en ai jamais douté. Maintenant, on peut vivre en paix ensemble à tout jamais. Des fragments de manuscrits. 7, c'est énorme. C'est ce qui me permettra d'améliorer mes armes. 7, c'est vraiment énorme. Ça, c'est cool. C'est cool de ouf. Je suppose qu'il y a un truc pour recharger mon arbalète beaucoup plus rapidement. Ok. Bon, bah écoutez, je suis très content. Hein. On va traverser. Hein. On est dans un bel élan. Je ne parle pas de l'animal. Vous croyez qu'on peut arriver derrière un possédé? Et genre lui mettre un coup de couteau dans le gosier. Pas souvenir avoir de coup de couteau, ceci dit. À voir, à méditer. On va bientôt traverser, les amis. Hein. Ok. On va bientôt traverser. Waouh! Finalement, cette map est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Waouh, waouh, waouh. Je suis pas serein. Ça serre les fesses de votre côté ou pas, tout comme moi? Ok, on a quelque chose ici. Ça a l'air plutôt pas trop dégueu. Une autre planque. J'aime bien. Ça, faudrait que j'apprenne à les utiliser. Hein. Encore une boîte repas, Alex Casey. Merci. Salut, héros. Quelques pages de mon projet de fanfiction sont tombées dans des caches, mais j'ignore lesquelles. J'en ai mis certaines en ligne et elles obtiennent de très bonnes critiques. Je préférais que vous ne les lisiez pas, c'est personnel. Les gars, j'ai 12 pages grâce à ça en deux boîtes. Hein. Les boîtes à goûter, c'est incroyable. Le chalet du garde forestier de Watery. C'est quoi ces conneries? Vous entendez la musique?
La station du garde forestier, pas accessible. Désolé, hein. Je parle pas beaucoup, je suis un peu captivé par... Je me demande en fait ce qui m'attend à chaque putain de mètre ou de virage. C'est cringe. J'espère que vous aimez les clowns, hein. Waouh! Ok. On a une petite page de manuscrit. Ça, c'est plutôt cool. On va la lire de ce pas, d'ailleurs. Allez, page de manuscrit. C'est là. Grincement rôdait dans les bois. Quoi ? Une ombre noire terrifiante dans la nuit, plus perçue que vue. Dans son crâne bouillaient les ténèbres, comme un nuage d'orage dans une bouteille. Les bois grouillaient de ceux qui l'avaient capturé. Il venait avec lui, contrôlé par lui. Son armée des ténèbres. Son objectif était un trou noir palpitant dans sa tête, des vagues en surgissant pour susciter la frénésie chez sa meute, partageant ses ambitions avec elle. Le rupteur. Il le voulait pour que son horrible fin devienne réalité. L'art était là. Le rupteur lui ferait franchir l'ultime seuil, un détonateur pour déclencher un raz-de-marée engloutissant la réalité. Les possédés bredouillaient et hurlaient, se débattant contre des liens invisibles, assoiffés de sang. Grincement les libéra. Ils s'élancèrent dans la nuit avec une joie violente. Il arracha un panneau du sol et le brandit comme s'il ne pesait rien. Droit devant, la musique commença. Elle l'attira. Que l'ultime fête du cerf commence. Oh, donc on va devoir aller vers la musique, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oh, waouh. Qu'est-ce qu'on a là ? Coup de massue inflige davantage de dégâts aux ennemis, étourdis, aveuglés ou à terre. Améliore la vitesse de rechargement. Tuer un ennemi pour récupérer de la santé. La quantité de santé récupérée dépend de la force de l'ennemi. Waouh, c'est beau ça. Ça, c'est très très beau ça. Magnétisme. Les carreaux fichés dans les ennemis attirent les balles à proximité. Tirer deux carreaux avant de devoir recharger. Afin de tordre davantage l'emballette pour des dégâts supérieurs et une trajectoire plus droite. Waouh. Waouh. Vous savez ce qui va se passer, les amis ? Monsieur Grincement serait donc dans les bois. Et le rupteur est dans le mobilhome. Donc là, va y avoir du fight à gogo, je pense. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.